Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le replay de Twitch sur le jeu Bellwright que j'ai fait en duo avec Shooty TV. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, Shooty TV. Je vous mets le lien dans la description ainsi qu'en titre de la vidéo. Allez voir sa chaîne Twitch, abonnez-vous, likez, partagez tout ce que vous voulez. Mais également sa chaîne YouTube, hein, donnez-lui un peu de force aussi également. Voilà, comme j'ai eu moi à l'époque, donc allez-y. Hein, allez-y, elle est très agréable à jouer, elle est très, très drôle. Voilà, donc allez faire un tour sur sa chaîne. Donc voilà, comme je disais, on découvre Bellwright. Alors c'est un let's play qu'on va continuer, hein, mais le premier épisode était super long, il fait plus de 3 heures. Donc je vais le découper en 3 parties, voilà, d'environ 1 heure chacune à peine. Donc voilà, on va faire à peu près 3 parties. Malheureusement, comme c'est une vidéo de replay de Twitch, je ne peux pas dissocier les différentes pistes audio, voilà, pour des problèmes qui me sont propres. Enfin, bref, c'est une question de réglage. Voilà, donc je ne pourrai pas faire d'intro dans les prochaines vidéos, ainsi que d'outro. Voilà, donc je couperai. Ça sera un peu brut. Hein, je suis désolé, je m'excuse par avance. Voilà, ça sera un peu brut. Ça commencera direct dedans et ça s'arrêtera quasiment net. Donc voilà, au moins vous êtes avertis à ce sujet-là. Bah écoutez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout ça et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Et salut. Et coucou les gens, comment ouais. Ça va? Vous allez bien? Salut Didag, on est sur la découverte salut, de Bellwright avec notre ami Didag. Ouais, bah moi oui, c'est vraiment Joueur, youtubeur. C'est vraiment une découverte, voilà. Hein, pour le coup. Oh, on a le papier là. Donc faut le lire, je suppose. Examination. Erdin est considéré comme le plus vieux village des Basse-Terre. Ah, ok. Donc ça c'est bon. C'est bon. Le poulet. On y va. Allez go. Du poulet? Ouais, il y a un poulet. Non, il y a un poulet dans le message. Non, c'est pas nous. Ah. Oh, j'ai cru. Ok, ma poulet. Il y avait des trucs là-haut, t'as regardé? Non. Bah non, je sais même pas où faut aller en fait. Alors là, il nous dit, est considéré comme plus vieux village de Basse-Terre, nanana, quelques années après sa création, les colons de Erdin se sont divisés sur la croissance de leur village. Certains voulaient s'étendre vers le nord, tandis que d'autres... ah oui, c'est grand quand même à lire. Certains voulaient s'étendre vers le nord, tandis que d'autres voulaient rester près de la vallée. Ma grand-mère m'a raconté des histoires sur les premiers colons. Se souvient Rosetta O'Mary, une femme de 101 ans. Qui a passé toute sa vie à Erdin. Les gens ici avaient à peine assez de bâtiments pour abriter tout le monde, et pourtant ils se disputaient encore jour et nuit sur l'avenir du village. Ils ont décidé de nommer un premier ancien sur le leadership, mais ceux qui voulaient pousser vers le nord ont saboté l'élection. Et un poulet a fini par devenir ancien. Pas une figure de style, un vrai poulet. Le poulet était considéré comme un leader peu inspirant et indécis, et un humain a repris le poste d'ancien un mois plus tard. Ok. D'accord. Donc, parler à Dobron l'Ancien. Eh ben, on va chercher Dobron l'Ancien. Zébardi mon kiki. On a la carte. Alors, la carte... C'est M, pour moi. Ouais. Bon, de toute façon, on a la mini-map. Ouais. On a la mini-map pour s'aider. Santé et blessure. Dormir, restaurer complètement au PV. Ok. Allez, Zébardi mon kiki, on y va. Allez. Faut ramasser les pierres, tout comme ça, ou pas? Non, même pas. Oh tiens, on va peut-être récolter, ouais. Pierre brute. De toute façon, ouais, on va essayer de ramasser ce qu'on peut. Ouais. Hop, du lin. Récolte à partir du voisin. C'est important le lin, je suppose. Oh bah oui. On est soufflé déjà. Appartient au village voisin. Ah oui, on peut pas là, d'accord, ok. Ouais, il y a certains trucs quand on est trop près du village. On peut pas les ramasser. Erdin. Et coucou Fredo, comment tu vas? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu entends bien le jeu? Dis-moi tout. Déjà, si tu me réponds, ça sera bien. Salut Régis. Ça va. Régis est un con. Régis est un con. Salut l'ancien. Je pense que nous devons parler, voyageurs. Vous êtes un nouveau visage ici. Et les nouveaux visages qui apparaissent se terminent rarement bien pour ce village. Ah bah sympa. Bonjour l'accueil. J'ai hâte de voir mon village. Ouais, j'ai besoin de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu ici. C'est pas de foutre. Mais où? Comment se prend que t'es agréable, hein?
Ah là là, les vieux là qui te demandent de ce que tu fais là. Mais... Alors vous cherchez des réponses, dans un monde parfait je pourrais vous donner toutes les informations dont vous avez besoin et vous pourriez continuer votre chemin. Mais parlez ouvertement pour être condamné, pour peut-être une condamnation à mort ces jours-ci. Tant que vous posez des questions, là va va. Alors je vais vous laisser dans le village pour le moment. On va mettre ça. Non, mais vous avez permission de construire à l'abri, ok? Ouais, bah on va faire ça. Alors, voilà. Construire votre premier abri, une cabane. Pour ce faire, appuyez sur B. Ouvrez le menu des constructions, puis sélectionnez cabane. Et placez-la sur le sol. Chaque construction nécessite des ressources. On ne pourra pas ici, donc on va. Ouais. Ça fait un moment que tu. Oui, alors ça fait un moment, mon poulet, parce que j'ai eu des. Bah, j'ai eu mon problème, ma pneumonie, là, qui m'a couché. Et puis, bah, après ma pneumonie, en fait, ma petite dépression, elle est revenue. Et puis, bah, je suis restée. Donc voilà, je continue. Alors vous ne pouvez pas placer le bâtiment trop près des vieilles existantes. Trouvez un bon emplacement à proximité de toutes sortes de ressources et votre première grande décision qui affectera votre logistique et votre stratégie. Et bien, résultat, les courses, de toute façon, tout ça, ça s'est transformé en fibromyalgie. Ouais, youpi, je suis contente, ami. Et toi, mon petit Fredo, qu'est-ce que tu racontes depuis le temps? Depuis ces 6 mois, là, 7 mois. Attends, on va aller se mettre, regarde, là-bas. J'ai suivi le chemin. Ah, je t'ai perdu. Voilà. Je te vois pas sur la map, d'accord. Est-ce qu'il faut qu'on se groupe? Groupir? Ben non, normalement, inviter un ami, reprendre pas dans la nuit. Ben non, pourtant, inviter un ami, t'es déjà là. Oui, mais est-ce qu'on est ensemble? Je suis déjà là, mais est-ce qu'on est ensemble? Tu vois? Il y avait doute, hein. C'est quoi ce bruit, là, que j'entends? Est-ce qu'on est ensemble? Pourtant, on était... Ben, quand tu lisais les trucs, ça validait. Bah, attends, je reviens. Ouais, vas-y. Bah, je te vois là, regarde, je suis là. Ah non, mais je te vois aussi, mais. Oui, on n'est pas groupés, apparemment. On a les mêmes trucs. Moi, je bosse, puis je joue sous le masque de temps en temps. D'accord. On va aller se mettre par là, regarde où c'est bien plat là. Pas trop loin du village. Ouais, c'est bien là. On va être bien là, Tintin. D'ailleurs, un moyen de. De. Alors, moi, que ce soit le didacticiel encore, peut-être ça? Je sais pas. Et qu'on peut pas tout de suite. Ils disent qu'il faut passer le didacticiel. Pour qu'on se. Ouais. Ah non, qu'on se passe. Ah, attends. Peut-être qu'il faut qu'on soit l'un à côté de l'autre. Accepter le combat d'entraînement. Non, mais ça, c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure, ça. Ah d'accord. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on peut le ramasser maintenant? Oui. On ramasse. Ouais, parce que là, on va devoir construire chacun une cabane, du coup. Ouais. Ah. Est-ce qu'on a une limite de poids? Oui. Bah, de toute façon, dans ton inventaire, tu pourras pas porter plus, tu vois, t'as des cases. Ouais, mais c'est pas du poids, en fait, du coup, c'est le... Ouais, c'est... L'emplacement? Mais une fois que t'as plus de place, voilà, une fois que t'as plus de place, t'as plus de place. D'accord. Je connais pas la personne qui est avec toi. C'est Didag, son... Comment ça s'appelle? Son Twitch est en bas de... Du mien, Loulou, t'as plus qu'à aller sur sa page, le follow, lui faire un gros bisou, le suivre, aller sur YouTube, faire de même, et puis voilà. Parce que tu le sais, Fred, plus on est de fous, plus on joue. Exactement. Ça y est, je t'ai encore perdu. Mais je suis là, regarde, vers toi. Ah, t'es là. Va falloir qu'on se trouve, on va se grouper. Hein. Bon, bah, je reste à côté de toi. Allez, viens, je te tiens. Non, mais t'inquiète, mais. C'est juste qu'il faut qu'on trouve un moyen. D'ailleurs, un moyen quelque part. Bah, peut-être. Oui. Parce que j'avouerais que j'ai pas fait gaffe dans les vidéos, je les voyais. Bah, c'est ce que je te lisais tout à l'heure, je pense. Je pense que c'est ça, hein. Ouais. Quand on était en off là, je pense que c'est ça, tu sais, attendre la fin du didacticiel et se faire une cabane. Bon, attends, on va se faire une cabane du coup. On va se faire la cabane, allez, alors. Allez, une cabane chacun. Hop, placer le site. Alors, on les met où les maisons? Parce qu'attention, on va avoir. Ça va être grand, hein. Ouais, donc on se fait un petit village, c'est ça, après, une petite colonie. Oui, ouais, on va faire du côté les maisons et puis du côté les. Comment ça s'appelle? Tout ce qui est les ateliers, les conneries comme ça. D'accord, ok. Hein? Bah, j'en sais rien, je sais pas moi. Les ateliers, parce que je suppose qu'il y aura de la coupe de bois. Peut-être laisser les ateliers côté oui, bois. Il va y avoir les trucs de bûcherons, la forge. C'est pas des gros trucs. Les plus gros trucs, ça va être bah, les champs. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, les granges et tout ça, quoi. Donc et qu'on mette toutes les maisons ensemble et puis. Ouais, voilà, c'est ça. Donc peut-être plutôt se mettre un endroit. Je mets là. Oui, voilà. J'avais dit un endroit. Merde. J'ai perdu le mot. Dégagé, voilà, c'est ça. Voilà. Un endroit dégagé. Un autre objet. Ah, t'as mis ton bois qui me gêne. Ouais. Alors, tu verras, au début, ça va te sembler bizarre. Ouais.
Parce qu'il faut d'abord que tu poses tes ressources. Mais tu sais, Et une fois que... ça me semble déjà bizarre. Oh, tout de suite. Non, je rigole. Construire une partie. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça l'a fait toujours. J'ai mis ajouter du bois. Ah, c'est ça. Tu ajoutes, en fait, dans ton... là où il y a l'espèce de trois bûches, là, tu ajoutes tes matériaux qui te demandent. Ah. Et puis après... Alors, attends, il manque du bois et du lin. Ok. Du bois et du lin. Ici, là où je suis, il y a du bois. Sous les arbres, là. Ah oui. J'étais en train de dire, j'ai pas lui dire que je l'ai perdu de vue parce que. On a une barre d'enduit. Est-ce qu'on a une... On a une barre d'enduit. On a faim aussi. Ouais. Ah, ça, la bouffe, il va vraiment falloir qu'on le gère bien. Jeune arbre, nécessite un outil. D'accord. Ça y est, j'ai tout fait? Ah, oui. J'ai une stone, manque plus que Chardenne et puis c'est bon. Ah, du lin, impeccable. Non, oh, ça va. On se moque pas, hein. Pas du tout. Ça se trouve, ils connaissent même pas les gens. Tu me connais, je suis pas de... c'est pas mon style d'être comme ça. Pas du tout. Ouais, voilà. Pas du tout. Ok. J'ai du bois, j'ai du bâton. Combien que j'ai là? Ah oui, ah, mais ça se stack même pas. Ah. Alors les grosses bûches là ne se stackent pas, attention. Hein. Ok. Ça prend des grosses places dans l'inventaire. Oui, j'ai ma maison. Yeah. Tu veux un cul demain? Attends, je vais te donner un cul demain. Je vais faire ça au hasard. Voilà. Ah là, il manque encore trois bois. Comment on fait pour Ah non, j'ai un lit. Alors j'ai pas mes raccourcis. Pourquoi j'ai pas mes raccourcis? Ah, attends, j'ai pas mes raccourcis d'armes. Je viens de faire une hache, tu vois, tu comprends? Ah, oh, nice. Ah, voilà, c'est là. Donc c'est, faut que je fasse ça. 5. Voilà. Ah, il manque encore un bois, bordel. Oh, j'ai cru que mon jeu avait planté, dis donc. Mais bon, la hache est rangée. La hache est en raccourci, impeccable. Ça va, ça tourne bien, Fredo? Ça lag pas trop? Même si j'ai mon retour, je me rends pas trop compte. Il a l'air d'être propre, le jeu. T'entends bien tout, le son, nickel. Ok. Allez. Je pense que j'ai à peu près tout. Bah, ça y est, hein, je t'ai tout ramené, je suis en train de construire là. Ah, mais non! Ma maison! Attends. Attends, je vais la finir là, regarde. Hop. Vas-y. Ça fonctionne, mais je suis sur mon tel. J'allume mon PC. Ouais, mais t'embête pas, poulet, si t'es obligé de faire allumer le PC pour vérifier. En fait, c'est les petits points, c'est ça? Faut viser les petits oui. points. Mmh. C'est bon? Ah non, c'est pas bon, il en manque. Il t'en manque? Non, c'est bon. Enfin, il manque les points, c'est ça que je voulais dire. Ok. J'ai l'impression qu'il faut faire un peu le tour. Sans arrêt. Voilà. Alors. Ouais. On va placer le. Ah bah ça y est, c'est bon. Camp ici. Ma cabane est faite. Nickel. Ouais, y'a un coffre. Ouais, t'as un coffre, un lit. Alors t'as un coffre perso. Ok. Et puis le lit. Tiens, bah là, s'il te reste du bois sur toi, faudra en remettre. Oui, j'en ai. Et il nous faut une pierre brute. J'en ai, je crois. Oui, c'est bon. T'en as? Oui. Ok, nickel. Par contre, il veut pas construire. Ah si. Là, faut se mettre au milieu. Vas-y. Ah ok. Hop. Ouais, tu peux m'aider si tu veux, hein. T'inquiète pas. Allez. C'est juste que je découvre en même temps, tu vois. Quand, ah, je bah, quand je saurai, c'est bon. Et voilà. On a notre beau feu de camp. Voilà, impeccable. Et on peut faire à manger donc, du coup. Ouais, on peut faire à manger. Donc on a fait ça. Ah ok. Dès que tu mets le feu, ça allume. Faire... Ah, faut mettre du bois par contre. Faut oui, j'en ai mis, mais j'ai mis qu'un truc. Ici des travailleurs, ok. Je vais placer un coffre de construction. Enfin, un coffre de. Attends, dans quel sens ils se mettent? Comme ça. Je vais le mettre là. Et est-ce qu'on peut augmenter la taille de l'inventaire? Alors, avec des sacs. Ah, ok. Voilà. Ok, il nous faut du bois, du lin. Du bois, j'en ai. Hein. J'ai une hache maintenant. Oh, ça va, te la pète pas. Ouais.
Et ouais, j'ai une hache. Comment t'as fait pour faire la hache avant? Bah, tu fais table et puis ta fabrication rapide en bas et puis ça te dit ce qu'il faut. Alors moi, quand je fais table... Ah oui, mais table, ça t'amène pas sur l'inventaire, ça t'amène sur je sais plus quoi là. Ah oui, d'accord. Faut que t'ailles sur l'inventaire, moi j'ai changé ça. Ça me saoule d'atterrir ailleurs, j'aime bien le table pour l'inventaire. Donc il me faut 2 pierres brutes et 6 bois, ok, d'accord. Voilà, c'est bon, mon coffre est fait. Génial. Voilà, et dedans tu veux y mettre quoi du coup? Bah on y mettra tous les matériaux qu'on a besoin, genre le bois, le lin, les conneries comme ça. Ah, oh, mais c'est tout petit. Là, ah ben oui, c'est tout petit, il faudra en faire d'autres hein, de toute façon. Faut prévoir de la bouffe, hein, donc des baies, essayer de cueillir un maximum des champignons. D'accord. Et quand tu fais pour y manger? Clique dessus, ah oui, consommer. Alors, tu... voilà, consommer. Ah, ok. Champignons, ouais. Où j'en trouve? J'ai du chanvre. Alors, champignons, normalement, il me semble que dans la forêt, là, où il y a les arbres, bah là où t'es, voilà, un peu par terre, tu t'en auras. Un peu par terre. Bah, on avance un petit peu sur le sol, ouais, tu ouais. en auras. Bah, attends, c'est faut que j'y vois, parce que tu sais que moi... Oui, c'est vrai. Tu vois que d'un œil. Je ne vois que d'un œil. Non, c'est pas vrai. Je vois tout, mais pas comme vous. Que d'un œil. Salut, Expirato. Comment ça va? Salut, Expirato. Ça fait longtemps, dis donc. Ça fait un an, au moins un an. Pourquoi nécessiter des travailleurs? On fait quand on peut nous aussi le faire? Bon, je sais pas, je vois pas de champignons. Moi j'ai mangé des baies, pareil. Ouais. Je récolte des baies, du coup ça fait pareil. Et les trois cases en haut, c'est trois cases de bouffe, tu peux bouffer trois fois, c'est ça? Alors attends, les trois cases de haut... Oui, voilà, tu peux un légume, un fruit et une viande. Ou tu peux manger trois viandes différentes. Ah bah non, parce que moi, 3B, ça marche pas, par exemple. Ah bah alors, donc, c'est bien viande, fruits et légumes, tu vois. D'accord. Mais par contre, tu peux quand même manger plusieurs viandes. Puisque sur certains que j'ai vus, moi, ils avaient déjà mangé plusieurs viandes. Voilà. Bon. Les champignons, tu me dis, t'as pas trouvé? Eh oui, ça fait un petit moment, Expirato, effectivement. Ouais, ah, j'avais... J'ai mis côté de Twitch un petit peu parce que j'étais sur YouTube, enfin je suis toujours sur YouTube, mais je reviens petit à petit sur Twitch. Mais c'est pas évident, surtout en cette période estivale, c'est pas évident de tout allier. Bon, bon. Après, Shooty me faisait un peu pitié. Donc... Voilà là. Tous les jours, elle me harcelait de messages. Ah, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi. Voilà. Alors t'as pas trouvé de champignons? Non, 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 j'ai pas trouvé. Mais j'ai... Non, mais en fait, en fait, je les vois peut-être pas. Hein. C'est surtout ça, je pense. Je pense que je les vois pas. Viens voir là où je suis. Ah oui. T'es où? Je te vois pas, je t'ai perdu. Ah bah oui, je t'ai perdu, ouais. Moi, je suis vers la maison. T'es où? Je suis vers la maison. Ok, bah regarde, là où je t'ai dit au petit bois tout à l'heure, là. Oui. Là où j'ai à ta droite. Tu vois sauter comme je sais pas quoi là-bas. Dis donc. Comme un cabri. Ouais, c'est ça. Là, regarde, ils sont comme ça. Alors, tu en as plein, t'as des marrons et des blancs. Ouais. Alors, les marrons, c'est pour t'indiquer qu'il y a des champignons, mais tu ramasses que des blancs. Ah, ok. Regarde. Les vois? Ah oui, c'est bon. De toute façon, tu peux pas ramasser les autres. Non. Non, mais là, en fait, c'est le coin à champignons. D'accord. Et donc, ça repousse, hein, ça repousse. Par contre, moi, il me manque toujours une pierre pour me faire une hache. C'est quoi comme pierre qu'il te faut? J'en ai plein sur moi. Mais il y en a plein des pierres brutes, là. Oui, mais je peux pas les prendre. Bah, tiens. Bah, j'en ai sur moi. Tiens. Je sais pas si je peux te la balancer par terre. Si. Bon. Non, mais non, je voulais pas commencer le combat. Et elle est là. Sac de butin. Oh. Vous faire quoi? Bah, j'en sais rien. Ah non, c'est bon, t'as annulé, c'est bon. Ah, ça va. T'as ramassé la pierre? Mon sac de butin, c'est oui. Bon? Ouais, impeccable. Merci. Et moi, je peux. Moi, il me propose. Ah, bah, mince, il m'en refaut une encore. Ah, bordel. Oh, ouais, va tout me prendre, quoi. T'es où? Non, mais t'inquiète, je vais chercher. Non, je me cache. Par contre, moi, il me propose pas la... Le combat? Non, pas le combat, la pioche. Moi, j'ai que la hache qui me propose, pourquoi? Ah oui, c'est que la hache, pour l'instant. Ah, la pioche, on la fera... Non, je me suis trompé. Ah, okay. Tout fonctionne. Merci, Fredo. Oui, comme quoi, tu vois, même si on est vieille, on perd pas quand même la main. Et là, ils disent qu'il faut dormir. Il va attendre, parce que moi, je vais faire ma hache, quoi que j'en trouverai peut-être du côté des... Tiens, il y en a une sur moi, là. Où je suis, là. Tu vois, je saute. Tu sautes, je pense que je suis en direction des maisons.
à la sortie du petit bois où on était. Là, à ta droite. Ok. Hop. Ah, oh non, à ta gauche, à ta gauche. Un peu plus à ta gauche, tout droit, tout droit. Voilà, je suis là. Voilà, ici, il y a une pierre. Oh, nice. Merci. Et on peut aller faire après dodo. Eh ben, allez. Allons nous coucher. Oh, oui. Mais bon, chacun on, on prend chacun notre lit. Ah ouais. Bah encore heureux. Ah, d'accord. Hein, non mais je sais pas, c'est une question. On met où? Ok. Dormir jusqu'au matin. On va attendre que les autres joueurs dorment. Alors du coup, comme on est en coop, on est sûrement ensemble, je pense en fait. Hein. Je suis en train de penser à ça, mais. Ah oui oui, ça marche comme ça. À mon avis. Hein. Sauf qu'on se voit pas. Ça me paraît bizarre. Je vérifierai quand même. Jour 2. C'est-à-dire quoi, ça 5 jours avant l'hiver? Qu'est-ce qu'il y a d'hiver? Là, 5 jours avant l'hiver. Oui, ben, mais... tu sais, en hiver, il y a de la neige. Ouais. Il fait froid. Oui. Tu galères à bouffer. D'accord. Il n'y a pas de champignons, c'est ça? Tiens, alors là, tu peux ajouter tes champignons sur le feu si tu veux. Ah, alors attends. On peut pas. Ouais, mais il va s'allumer avec la pluie? Ah oui. Ouais, t'as juste à les mettre sur les broches. Puis t'attends que. Comment tu fais? Alors, tu te mets sur les pics et tu fais ajouter champignons. Ah oui, ok. Donc là, il faut qu'on retourne à Urdin. Il fait un temps de merde, là. Un peu comme on a eu pendant 6 mois. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je l'ai mangé cru, mon champignon, tout à l'heure. Ça allait pas? Tu peux. Si, si, tu peux. Mais ah, okay. C'est mieux cuit. Ok. D'ailleurs, pourquoi il a pas voulu me prendre l'autre? Parce que j'en avais deux sur moi. Bon, voilà, faut ajouter un champignon. C'est long à cuire, dis donc. Mmh. Bah, il peut aussi. Hein. Et on est vraiment dirigé dans le jeu ou tu fais un peu ce que tu veux? Alors, tu as des quêtes. Ouais. Après, tu peux te balader un petit peu partout. Mais c'est le mieux, c'est quand même de découvrir. De toute façon, tu vas pas rester que sur Erdin. Il y a d'autres villages. D'accord. On va avoir des bandits à chasser. On va avoir des raids. Tu okay. vas voir, ça va être chaud patate. Le même système que Medieval Dynasty, non? Un peu mieux quand même que Medieval Dynasty. Malgré que j'ai adoré Medieval Dynasty. Ouais. Là, c'est un petit peu mieux quand même. Parce que justement, tu as des raids chez toi, tu as des raids dans les villes. Ok. Il faut que tu arrives à avoir une certaine... Ah, ça a augmenté ma vie, tiens. Oui, ça augmente ta barre quand tu manges justement un fruit, un légume et une viande. D'accord, voilà. Parfait. Comme mon dernier. Oh, j'ai plein de trucs sur moi, je peux peut-être y poser, non? Le chanvre et tout ah, ça? Oui, 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 oui. Hop, on va faire ça. Voilà, ça, voilà. Hop, voilà. Moi, bon, okay. J'ai mis dans le coffre de la ville. Hein. Mm-hmm. Donc, faut aller à Erdin. Ah. Faut pas prendre mon champignon, pourquoi? Il est pas assez cuit? Ah, on peut t'as vu, on peut faire une escouade dans l'armée? Oui, bah c'est quand on aura justement des. Ah, ok. Ok. Voilà. Je vais rallumer. Voilà. Et le prendre. Allez. Donc, Urdin, c'est là-haut. Allons-y, Jean. Non, moi, c'est Chucky. Et alors en haut, c'est quoi là? J'ai 0 pièce d'or et j'ai 60 je sais pas quoi. Alors c'est la renommée justement, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure le nom. C'est de la renommée qu'on va gagner au village. Donc là tu vois le fait qu'on a parlé à Dobron, il va sûrement nous donner une quête. Et au fur et à mesure des quêtes, eh ben, tu prends de la renommée, tu auras des pièces d'or aussi que tu vas gagner parce qu'on va te payer en pièces d'or, on va te payer en bouquins d'apprentissage. D'accord. Et puis voilà, il est où lui? Il est par là. Et ainsi de suite. Et la renommée, ça va te permettre de pouvoir embaucher des gars. D'accord. Mais tu peux embaucher tout type, des combattants, des esclaves, des machins? Enfin, pas des esclaves, alors, mais... En fait, tu vas... Bah tiens, regarde. Là, t'as pas d'arme sur toi. Alors, tu peux pas parler aux villageois si t'as une arme. Mais admettons, tiens, viens parler au clochard, là, regarde. Oui, parce que t'as des clodos aussi. D'accord. Tu vois, tu te mets à côté de lui et parle-lui, tu vois.
Et regarde quand tu... Il est occupé pour le temps. Ouais, c'est... Alors attends, je m'enlève, vas-y. C'est bon. Et nous ici, faites attention à vous étrangers, ces bandits n'aiment pas les étrangers. Il y a beaucoup voilà. d'étrangers à notre phrase. Ah, faut choisir les... Faut choisir la réponse. Oui, plus ou moins. Je pense que nous pouvons nous entraîner à entrer ensemble, qu'en pensez-vous? Je vous pose une question. Alors, voilà. Tu vois quand tu lui demandes ça, là. Attends, bouge pas, je me mets sur ta page machin pour te guider en même temps. Vas-y. Quand tu lui... Donc tu marques ce que tu veux. Alors au revoir, bah, si tu machin, je pense que nous pouvons nous entraîner. Vas-y, clique dessus. C'est bon, ouais. C'est pas facile. Faut que j'attende que le... Il y a un décalage? Un tout petit peu, oui. C'est normal. Ok. Je ne suis pas facile à convaincre, mais les dieux savent que vous avez assez consacré de temps et des efforts. Je suis partant. Voilà. Donc là, tu vois, t'as la page qui s'est ouverte. Donc on te dit qu'il est bête en haut et qu'il est fainéant. Ah oui, d'accord. Et tu as donc ses points, donc il a zéro sur école, il a zéro sur tout en fait. Ouais. Tu as assez de renommée si tu veux l'embaucher dans ton village, mais ça il sert va à rien, falloir. Du coup. Bah lui non, il vaut que dalle. Mais tu vois donc c'est les assez de renommée, c'est les petits trucs bleus d'en haut. D'accord. Donc, c'est la couleur bleue. Oui, voilà. Ça consomme ça, d'accord. Tu vois, voilà. Et au fur et à mesure que tu as des bouquins après, ouais. tu leur donnes et ils apprennent les compétences. Mais en général les clodos ils sont un peu neuneux. Donc lui c'est un clodo. D'accord. Après celui que moi je suis c'est un libraire. Ah oui, il y a un petit livre au-dessus, ouais. Tu vois ? Donc t'as le libraire, t'as... lui c'est qui ? C'est un expert aubergiste, tu vois ? D'accord. Et t'auras certains trucs pour pouvoir l'avoir dans ton village. Il faudra que tu prennes des apprentis ou tel truc. Ok. Voilà. Mais après, c'est pas parce que t'auras un boulanger, admettons. Alors eux, faut faire gaffe, c'est des gentils méchants. Des gentils méchants. C'est des brigands. Oui, c'est des brigands. Ok. Donc t'évites de les frapper. Tu peux les embaucher s'il faut ? Non, pas eux. Hein ? Eux tu peux pas. D'accord. Alors Dobron, il est où Dobron ? Il est là. C'est le patron. Alors, pareil. C'est le maire lui. Ouais, c'est le maire. Les animaux, même ceux, les vaches et tout que tu rencontres dans la nature, quand c'est près d'un village, t'évites de les tuer parce que tu perds de la renommée aussi. D'accord. Donc là, il va nous donner une quête. Ouais, parce que je crois que c'est validé parce que j'ai plus la quête avec moi. Donc je pense que ça marche ouais, Oui, c'est ça, on est ensemble. Donc. Alors, je vais voir ce que je peux faire ou puis-je trouver le chasseur. Donc là, il faut qu'on trouve quelqu'un. Allez parler à Amélie. Donc tu peux commencer déjà à la trouver dans ce village. Amélie. Amélie ? D'accord. Ouais, Amélie. Et on a. Non, on n'a rien pour nous aider. Si, tu vas avoir un petit point d'interrogation. Ah oui, ça y est, je l'ai. Alors attends, parce que lui, je l'ai vu descendre là. Ah bah ça y est, je te vois sur la carte, regarde. Oui, moi ça y est, je te vois aussi. Ça, c'est bien. C'est elle, Amélie ? Oui. Oui, c'est bon, je l'ai. Salutations, nouveau venu. Dites-nous, si vous rencontrez, votre visage m'est terriblement familier. Vous devez être Amélie, l'ancien m'a dit que vous savez, vous pouvez trouver le chasseur Lubomir. Ok, donc Lubomir. Lubomir, tu connais ? Malheureusement, je dois le trouver. Il est dans la forêt. Okay. Ouais, je passe un peu le texte, hein, moi ça vient. Ouais. Merci, je crois. Faut qu'il y ait, je crois. Ah, donc là, faut aller dans la forêt. Ouais, on va y aller, on y va. Il est pas très très loin. Par contre, on a pas d'armes, hein. Je sais pas si c'est. On a la hache, Loulou. Ouais, il va falloir se battre. Je me rappelle plus. Je suis certaines vidéos, mais je. Je me rappelle plus tout, hein, tu sais, mon âge, on perd vite la mémoire. Ah oui, c'est ça. Je suis pas encore là, mais. Donc ça va venir, t'inquiète. Oui. Attends 20 ans. Ouais, tout de suite. Et c'est quoi ce petit point à gauche là, la stèle là ? Eh ben on va voir. Quand il y a des points comme ça, on regarde parce qu'on peut récupérer des choses. Ok. Ah bah tiens, il y a un coffre. Putain d'offrande. Eh ben tu vois, on a gagné 20 pièces d'or, la confiture de betterave, la confiture, le sang. Ah non, on a gagné aussi des... Un sanctuaire païen, je sais pas quoi. Ok, donc ça c'est quoi ? Nourriture avariée. Ah oui, ça c'était une machine. Mais ça pop aléatoirement, non ? Oui, ben, ça reste sur la map en fait. Et quand on va avancer, on va découvrir. Et la map, elle va s'ouvrir au fur et à mesure. Et on va pouvoir placer aussi des panneaux, parce que là on marche, mais on va pouvoir placer des panneaux où on pourra se téléporter. Que nous, hein. Tiens, là il y a des champignons si tu veux, poulet. Alors attends. Ici, dans l'arbre. Pourquoi j'ai un icône de cerf là qui me regarde ? Parce que c'est le cerf qui t'a vu, donc quand on chasse, faut faire gaffe. Ok.
Voilà. Tu m'as vu ou pas? Tu m'as perdu. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé les champignons en tout cas. Ok. Je suis à côté de Lubomir, je t'attends. Vas-y. Lubomir. Lubomir Vaisselle. Salut. Salut Lubomir. C'est toi qu'on cherche. L'ancien robot m'a envoyé, il m'a demandé des pièges. Vous en avez, les habitants de Harden en ont besoin. Bien sûr, maintenant ils ont besoin de moi, je ne vais pas travailler pour eux. Dorbonne n'a aucun respect pour mon métier. Pouvez-vous m'aider au moins? J'ai besoin de gagner la confiance des anciens, personne n'est là. Mais vous ne savez rien de moi ou de ce que je suis, j'ai autrefois une membre respectée. Mais c'est quand même beaucoup du regard, je trouve, c'est bizarre ça. Ouais. Il t'ignore totalement. T'es mal rasé? Ouais, ça doit être ça. Mm. Je t'ai dit, je me suis fait un petit perso, on dirait. Comment il s'appelle déjà dans. Kingdom Come Deliverance là, le perso qu'on joue. Comment il s'appelle, je m'en rappelle. Ah! Alors du coup, Lubomir il veut nous rejoindre. Donc tu vois, c'est un prodige. Attends, je l'ai pas le truc. J'ai pas le. Ah, mets-toi sur ma page si tu peux. Alors attends. Laisse-moi me munir mon GSM. Oui. Alors c'est con parce que sur nos Twitch normalement, on a la possibilité de récupérer juste la. Et là je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? De récupérer quoi? Alors quand tu as, moi je suis sur ta page là. Oui. En bas tu as le donc les paramètres, tu as pour faire les clips, le mode studio et le plein écran. Oui. Et normalement tu as une autre petite fenêtre que je peux récupérer. En fait je superpose sur. Alors attends, par contre c'est normal que tu peux pas choisir. On peut te regarder seulement en 1080 et on peut te regarder en 720. Je sais pas, Twitch a fait un peu de la merde quoi, disons. Credo. Donc je sais, pourtant je suis réglé en. Ouais, je suis en 1080 source, c'est bizarre. Bah, moi aussi normalement. Alors je suis. Ouais, comme Didac. Mais ouais, non, je te vois pas. Ouh, je vois pas l'écran que je te disais. Alors, c'est bon, c'est pas grave, je suis sur ta page là. Alors là, tu vois, donc lui il est prodige. Il est bon en chasse pour la fin. Bon, il est 2 sur 5. Ouais. En fabrication, il est 2 sur 6. Force, il a 2 sur 6. Et bouclier, 2 sur 6. Donc il est pas trop mal. Il est pas trop mal. On pourra continuer de le level up de toute façon. Ah oui, d'accord. En leur donnant des bouquins, il level up. Et puis en travaillant, il level up aussi. Ah bah écoute. Si tu veux qu'il nous descende, allez. Donc il a ce de renommée, je pense que c'est possible. Merci Kikinou. Ah, j'ai eu tes villageois. Vos villageois peuvent être affectés à l'un des trois rôles à tout moment. Un travailleur exécute vos ordres et la protection de la colonie. Un compagnon voyage avec vous et un garde patrouille. Ouais, jusque-là, ouais. Mais comment vos compagnons? Donc on peut l'inspecter. Donc là, il est compagnon. Il est sans abri pour l'instant. Il a à bouffer. On va aller lui construire tout de suite un. Une tente d'habitation au village. Ouais. Et puis du coup, on va le faire travailler. Hein, on va lui construire un centre de recherche. C'est tout droit par la village, ouais. Ouais. Faut le suivre en fait. Non, c'est toi. C'est lui qui va nous suivre. Ouais, c'est toi que je voyais, je croyais que c'était lui. Sinon, c'est un maître que t'as fait tomber. Oh là là, mon chat, il est un peu blond sur les bords. Il est et eux, ils ont des tentes spécifiques ou c'est les mêmes que nous? Ouais. Non, elles sont un peu plus petites. Bah, tu vois, c'est une tente d'habitation. Si tu regardes, notre cabane personnelle et leur tente d'habitation, voilà, c'est pas la même chose, quoi. Hein? Ah oui, c'est vraiment basique. Voilà. Mais tu améliores tes baraques, tu évolues, pas? Non, ça reste des trucs comme ça. Non, t'inquiète pas. Là, on a des tentes comme ça, et au fur et à mesure justement qu'on va level up, on va avoir des petites maisons et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Nos villageois, on fait quoi? Est-ce qu'on les met autour de nous comme ça par là? Ouais, en arrondi, ça peut être sympa. Tu sais, autour du feu. Allez. Alors bordel, la mage de l'appli Twitch, j'y comprends rien. Sans le faire exprès, j'ai quitté le stream, j'arrivais plus à revenir. Ah. Mais j'ai réussi. Ah bah, je sais pas, mon petit Spirato, je sais pas, je m'en sers pas beaucoup de l'appli, juste pour voir Shooty du coup, mais. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas entendu. Une mise à jour mage, mise à jour Twitch, pardon. Qui s'est alors pas bordel, fait. La mage de l'appli Twitch, j'y comprends rien. Sans le faire exprès, j'ai quitté le stream, j'arrive plus à. Oui, alors j'ai vu, franchement, leur nouvelle application, c'est une daube. C'est une vraie daube. Donc là, il va revenir normalement et il va s'occuper de la construction. J'ai bien dit normalement. Hein. D'accord. Voilà. Mais il faut quand même mettre les ressources, non? Alors, il peut le faire, hein, il peut aller les chercher. Hein. Mais au début, tu verras, c'est un petit peu long. Faut,
faut vraiment, c'est très compliqué, ce jeu est très très compliqué. Mais tu vois, regarde, il a ramené du bois. D'accord. Et là, regarde, hop, il construit. Ah, ok. Par contre, un arbre donne une bûche. Ça, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Oui. Bon, si t'as réussi, Expirato, c'est le principal. Bah là, il m'a rien donné, lui. Ah si, c'est bon. Ah, je suis pas habitué à prendre avec clic. Ah, c'est... Ah, quand j'avais fait le test, parce que j'ai testé quoi, 5 minutes. Ouais. J'avais du mal. Hein. C'est vrai, quand tu regardes les streamers jouer, même s'ils t'expliquent que ça se fait souris, clavier, machin, ça te fait tout bizarre quand tu dois après, toi, t'y mettre et que c'est des clics. C'est complètement différent que quand t'as du FPS ou ouais. Des Z ou. Ah bah, ça me donne une bûche aussi, ça. C'est bon, ça. Et la bûche prend de la place ou pas? Ok, il manque un lin, mais j'en ai un dans ma caisse sinon, s'il n'y en a pas. Ah. Donc non, attends, il y en a un ici, je vais le ramasser. Il est ici. Voilà, il va falloir que je mange parce que c'est tout retombé à zéro. Et en fait, tu meurs pas en fait quand tu bouffes pas, c'est juste que ça retombe à la vie de base. Ouais, voilà, c'est ta machine. Alors après, tu meurs quand tu te fais tuer par. Enfin, tu meurs. Tu reviens là dans ton lit. D'accord. Quand tu te fais attaquer et que tu meurs, quoi. D'accord. Voilà. On va aller faire sa petite maison, Pépère, là, au Lubomir. Voilà. C'est temps de fournir un abri à vos colons. Ne peut accueillir que deux personnes. Bon, ça va déjà, il est tout seul. Attribut, on a vu. Donc, tu vois là, regarde, si tu vas sur. Enfin, je vais te l'enlever. Vas-y, regarde dans son inventaire. Inventaire. Attribut. Oui. Plutôt, pas inventaire, mais attribut. Ouais. J'ai tout là. Deux sur... bah toi il te met pas alors que moi j'ai le... Ah, attends, bouge pas. Voilà, moi tu vois par contre en attribut pour Lubomir, toi t'as prodige, mais moi à côté à gauche j'ai moral costaud qui est en train de level up. Ouais. Il a 31 d'expérience de compétences, tout dégâts infligés, l'endurance. Pourquoi j'ai pas moi ça? Voilà. Bah je sais pas. Alors, ah, c'est peut-être moi parce que j'ai embauché moi. Ouais, je sais pas. Voilà, bon bah son moral pour l'instant ça va. Faut qu'on lui donne à faire quelque chose au petit pépère. Par contre, t'as vu, on est retombé à 7 de renommée. Hein. Bah oui, c'est normal. D'accord. C'est normal puisqu'on a. Je pensais qu'il était gratuit lui. Je pensais qu'il voulait venir de lui-même, tu vois. Ah bah non, toute personne. Même s'il te demande parce qu'il est tout seul, il s'est fait virer de son camp. D'accord. Tu bouffes de la renommée, voilà. Et t'en gagnes au fur et à mesure. Donc, en fait, construire un bureau de recherche. Lui, t'es plus ou moins obligé de le prendre, quoi. C'est ça. Un bureau de recherche, attends. Le bureau de recherche. Bah vas-y, tiens, place-le. Fais-le aussi. Alors, le bureau de recherche. Le bureau moi, de je vais faire l'établi. Allez. Alors, les ateliers. On va mettre ça derrière. Ou tu veux mettre où? Ouais, non. Pas, enfin, pas dans les maisons, quoi. Oui, bah non. Je sais pas trop où. Je sais rien. Par là, là. Par là, peut-être. Ouais, c'est bien là, non? Ouais. Allez, hop, je pose l'établi, moi. Ah, tu mis pile où j'étais. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Donc alors il va venir aussi construire, hein. Tu vois, regarde, il va venir pour construire, tu vois. Ah ok. Il est un peu lent, enfin, ils sont tous un peu lents. Et tu peux lui. Mais au bout d'un moment, oui. Tu peux lui donner des ordres spécifiques, genre reconstruire ça et pas ça ou. Oui, il y aura des priorités. Alors ça aussi c'est très très compliqué. Justement moi j'ai regardé énormément de live parce que si tu fais des constructions et que bah. Tu donnes pas d'ordre, ouais. Tu les laisses tous à 5 parce que tu vas voir, il y aura des ordres de priorité. D'accord. Et ben, pouf, voilà, ça va tomber à l'eau. Ok. Parce qu'il n'y aura rien qui avancera. D'où l'intérêt aussi de faire. Comment ça s'appelle? Mince, je vais y arriver. De faire des réserves de bouffe. D'accord. Parce que s'ils ne bouffent pas, ils font rien. Ok. Voilà. Et je coupe du bois. Ah mais attends, non, je vais pas couper ça moi. Je vais prendre la bûche. Hop. Ah, bûche, il y en a une. Et... Voilà. Ici, je peux en couper une autre. Là, il faut du lin. Bonsoir les cannes, bienvenue, comment ça va? Et coucou Thunder, comment tu vas mon poulet? C'est quand il veut, hein. Voilà. Ah, qui c'est qui est là? Ah, c'est mon copain.
En terre plein. Ah oui, c'est que la bûche, ça prend carrément plein de cases. Ah oui, je l'ai dit, hein. Ah oui. Ah, mais il est fait, mon bureau ? Bah, c'est lui qui l'a construit, c'est pas moi. Je crois qu'il manquait des trucs, du lin, un truc comme ça. C'est là-bas, tiens. Hop, du lin. Ouais, ça faisait longtemps, mon poulet. Ça y est, je suis... Je suis revenu. Ah, en fait, il a mis une bûche, mais j'ai rien demandé. Ok. Ajouter du matériel de construction, je sais pas ce qu'il veut. Il faut du lin. Ouh là là. 5 de lin encore. Kikino, tu peux pas passer la bébé. Et est-ce, non, que, non. Tu, est-ce que tu peux avoir des champs de récolte, des trucs comme ça des... Tu peux planter du blé, des trucs comme ça, je sais pas. Oui, 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 on aura des parcelles de champs qu'il va falloir qu'on débloque au fur et à mesure. Et on va pouvoir rester là ou faudra déménager automatiquement? Alors, tu peux construire des petits camps à droite, à gauche. D'accord. Où tu y mets du personnel, si tu veux. Et en fait, tu fais voyager, tu ravitailles tes petits camps ou ton village. D'accord. Avec les petits camps de travailleurs. Ok. Alors, ton établi est fait, hein, c'est bon. Yes, bah ton truc à toi aussi. Oui. Alors, plus la colonie devient puissante, plus elle risque d'attirer les groupes de pillards. Investissez dans des gardes et un meilleur équipement pour les combattre. Construisez des avant-postes, ne vous limitez pas à une seule colonie. Bah, c'est ce que tu viens de dire, ouais. Vous alors, serez prêts. Là, tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y, c'est bon. Là, tu vois, dans le bureau de recherche, donc ça va nous permettre de, ben, d'apprendre pour l'arc et tout ah, ça. Ah, ouais. Est-ce que tu peux l'ouvrir en même temps que moi? Oui, il est ouvert, là. Ok, donc là il nous demande de faire des recherches sur le petit piège. Quand on clique sur petit piège, tu vois, il nous faut donc du bois. Oui. Ah oui. Et du lin. Ouais, ok. Donc quand on va le sélectionner, pouf, le mec il va venir là, ressources manquantes, mais il y en a, hein, de toute façon, il y en a. D'accord. Et tu vois la priorité de la structure 5 ? Oui. En haut à droite ? Oui. Et bien quand tu cliques dessus, ah, ok. Si tu, plus tu vas vers le 9, moins c'est prioritaire, parce qu'il te marque plus bas. Tu oui, vois d'accord. Et au fur et à mesure des choses que tu veux qu'elles soient faites, tu mets 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ok. Voilà. D'accord. Ah, tu vois, bah, Lubomir, pouf, il vient d'arriver. Moral content, donc, c'est là, vrai. Voilà. Et là, donc, il va lancer la recherche. Alors, on peut y mettre... Bah, tout de suite, tiens, bouge pas. Tu peux y mettre, si tu vois, dans le, en haut à droite, le stockage local. À gauche, ouais. Ok. Pardon, à gauche, oui. Donc, tu lui mets. D'accord. Et puis, avec les ressources, il n'a pas besoin de les ramener. Il les aura et le machin va se mettre. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est bon, je comprends. Alors, je me doutais quand même que t'allais comprendre. Non, mais bon, c'est des fois... Même si t'as du mal à avoir des sacs sur d'autres jeux ou quoi que ce soit. Ouais, ça va. Ça va. Ah, il y a un lapio, là. Du coup, il faudra peut-être qu'on se fasse un arc. Attends, laissez le bonhomme fabriquer le piège à l'établi simple et prenez un piège et placez-le vous-même dans la forêt. Danse avec un appât. Ok, donc on va garder une mûre sur nous et on va lui foutre... Donc on laisse fabriquer lui du coup là ? On n'y touche plus ? Voilà. Bah là en fait il faut qu'il ait fini la recherche. D'accord. Dès ah, bah, qu'il c'est a bon. Fini la recherche, voilà, ici dans l'établi. Donc là tu vois, il peut nous construire des haches simples, des torches ou des gourdins. Oui. T'es sûr qu'il l'a fini le... Bah en tout cas il a tout mis dedans. Alors je sais pas s'il l'a validé mais... Il a tout mis dedans en haut, regarde. Ok. Alors, je vais lui mettre en priorité une pour voir. Ressources dépensées, zéro. Oui, parce qu'il n'est pas, il est pas encore en train de chercher, là. Il est où, là? Ah, ben, il arrive. Il n'est pas pressé, par contre, du coup. Ça veut pas ouais. Regarde, il a 50% de recherche. Ouais, 100%, ça y est. Et donc là, après, bah, tu vas dans l'établi. 100% recherché, d'accord. Et tu lui demandes, tiens, bah, tu lui demandes, donc il faudra lui remettre pareil des ressources, de sélectionner la recette du petit piège. Vas-y. Le petit piège, c'est bon. Unique, ça veut dire quoi? Ah oui, ok. Un seul. Pas assez de ressources. Et il faut quoi? Bah, il lui faut du bois. Ah, du bois. Ah, attends, je dois voir ce qu'il faut. Ah, il nous faut des cordes. Juste ce qu'il faut sur moi. Alors ça, ouais, il va falloir le faire. Euh...
Ouais. Bah, j'ai mis 5 bois dedans, donc ça doit être bon, je pense. Bah, attends. Mets-lui la priorité de A1, je remets celle de la recherche. Alors, c'est quoi qu'il lui faut là? Des pierres brutes et 5 champignons. Ok. Donc, il faut déjà voilà. Ça. Allez, viens bosser là. Hop, hop. Les 50 cuillettes, il va nous falloir. C'est quoi que tu fais là? La recherche pour le camp de cueillettes. D'accord. Parce que le temps que nous, on aille faire les autres quêtes, il faut absolument que lui fasse de la cueillette. Des pierres et 5 champignons. Alors, champignons, je les ai, t'embête pas. Ok, d'accord. Voilà. Il manque juste 5 pierres. Ok, donc j'en ai une sur moi. Faut bien en trouver. Ah, c'est chiant parce que quand des fois tu veux ramasser, voilà, tu cliques sur le bouton, enfin le. Mais il te donne un coup de hache. De la sauge. Ah bah il a mangé, dis donc. Voilà. Peut-être là-bas des pierres. Ah là-haut. Près de la montagne, il y en aura. À tous les coups. Il va faire nuit. Ta gueule. Qu'est-ce que tu racontes, Thunder, sinon, à part ça? Ah ben voilà. Il y en a plein là, de la pierre. Petit piège terminé, c'est marqué là. Nickel. Donc il l'a terminé, alors tu, bah, tu le ramasses et puis tu vas le mettre... Tu vas le mettre dans la forêt. Ouais, ok. Tu le poses. Et t'oublies pas de mettre la petite baie dedans. Ah oui, le pour l'appât. Ouais. Alors, du coup, en fait, je sais pas si c'est la baie ou... Merde, on a inventé la plainte. Ou un champignon qu'il faut mettre. Au pire, j'en avoir. Ah, il est en train de le... Je crois qu'il est en train de fabriquer, en plus. Une petite barre, là. Alors, je sais pas. Il le met où? Ah, si, c'est bon. Alors, je l'ai sur moi. Mmh. Faut le mettre en raccourci ou pas? Je sais plus, ça, par contre. Ah non, c'est bon. Juste clic droit dessus dans l'inventaire. Ok. Il faut une pierre. On va mettre là, il va être bien là. Une pierre, 5 champignons. Faut absolument que ce soit dans la forêt. Alors pas trop loin. Hein. Tu sais, tu le mets là où on cherchait tout à l'heure les champignons. Oui, voilà, là ouais. C'est bien. Ah oui, alors il est parti se coucher, donc il est parti se coucher, c'est pas la peine, il fera rien d'autre. J'ai mis une baie. Apporter 3 pièges, donc là il faudra refaire 3 pièges et une fourrure. Enfin, qu'on chasse. Ah, faut qu'on fasse 3 pièges. Ouais, je les mets en... Alors, on va en faire 3. Assez de ressources, ok. Merde, non, enlève-toi. Alors, je pense que... Je peux plus. On a plus chance, on s'en fout. Ok, on verra. Bon, de toute façon, faut les faire de dos. Et là, il est en train de te... Ouais, ok. Il va te refaire la table de recherche, du coup, là. Enfin, le camp de cueillette, pardon. Il le fera, voilà. Il le fera tout seul. Quand il aura envie, quoi. Il le fera tout seul. Non, bah, demain matin, parce que là, il va se coucher. Ok. Quand t'arrives le soir, par contre, tu peux rien lui demander. Il va se coucher, hein. Rien à foutre. D'accord. Avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. C'est bon, j'ai mis du bois dedans. Bah, c'est bon, il va pouvoir le faire. Et si tu mets tout en priorité une, il... Bah... Pour l'instant, il ira le faire au fur et à mesure, en fait. D'accord. Parce que 5, si tu l'envoies faire 5, après, il va les cueillir, il va les ramasser des... Donc, il faudra vraiment, après ça, à gérer quand on aura plusieurs personnes avec nous. Ok. Bien les mettre, quoi. Mais quand il y en aura un sur chaque atelier, après, bon... D'accord. Jour 4. Là, hop, il est déjà à l'atelier. Ah oui. Et tu peux dormir que la nuit? Oui. Question con, mais... Donc là, il va faire 3 trucs. D'accord, ok. Faut qu'on se fasse un arc, du coup, pour chasser? Ouais, je vais lui demander de faire la recherche. Ah tiens, je vais aller voir si le piège, il a marché. J'entends des espèces d'abeilles, je sais pas ce que c'est.
Et des lucioles. Alors j'ai reste d'animaux là, j'en ai trouvé. Eh ben c'est ça, faut que tu les ramasses. C'est ce qu'il y avait dans le piège. D'accord, un petit morceau de viande crue. Ok. Ah, j'ai compris. Les pièges est automatiquement réactivé parce que je peux plus rien mettre dedans là. Ouais, je pense. Normalement, oui. Ah oui, il va nous falloir des cordes. Et pour les cordes. Alors j'en ai une dans l'inventaire. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Attends, les cordes, c'est où qu'on les apprend les cordes? Ah, attends, il me faut du bois. Il me faut du bois! Les arbres poussent, non? Je sais pas. Il me semble aussi que les arbres poussent, oui. C'est qu'on fait les cordes déjà? Ah, il y a un petit piège qui a été fait. Comme du chemin, hein, tant pis. Hein, je te fais un petit. Une patte de lapin. Oh, c'est mignon. Il y en a deux. J'en fais une et puis je t'en laisse une. Du coup, oui. Les armes. Ici, c'est un meilleur outil. Ok. Et en fait, et lui, il se démerde pour manger ou faut qu'on ait de la bouffe en alors, stock? Bah, justement, c'est ce que je t'ai dit. Il faut que. On fasse le. Comment ça s'appelle? Le camp de cueillette. D'accord. Parce que des fois il va bouffer, puis des fois il va se plaindre, il va te dire j'ai la dalle. D'accord. Tu nourris pas. Alors voilà. Il en est où là? J'attends. Bonne personnelle. Non. Est-ce que ça crame la bouffe sur le feu? Non. Ah, il en reste deux à faire. Ah. Cueillette. Ah, mais il n'y a plus de bois. Ah oui, Kono. Tac-tac, et il me refaut du coup. Un champignon, ok, bon, on va chercher un champignon. Ça, c'est long à cuire, hein. Ouais. Mais après, tu peux tout améliorer? Les feux de camp, tout comme ça? Il y aura des trucs plus gros. Tu verras, il y aura des. Je vais pas tout spoiler non plus, mais. Il y aura. D'accord, oui, non, mais ouais. Voilà. Mais par contre, tu n'évolues pas dans les âges? Non, tu restes tel quel, ton perso. Oh ok. C'était ça, ta question, hein? Oui, bien sûr. Je veux dire, tu vas pas dans, je sais pas, j'invente, mais Moyen-Âge, médiéval, Renaissance, tout ça, des trucs comme ça, tu vois. Non, en fait, c'est juste tes tenues qui changent au fur et à mesure. D'accord. T'auras des meilleures tenues, t'auras des meilleurs outils, voilà, au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on aura la forge et tout. Bon, ben voilà, tu vois, ça, on va pouvoir faire du fer. Voilà, viens de péter mais oui, nos bâtiments vont évoluer aussi, on aura plus des tentes. Ouais. Mais on aura des petites maisons en bois et tout. Franchement, c'est joli, hein. Il est très joli ce jeu. Il est, D'accord. Qu'est-ce qui lui manquait à lui là? Des champottes, tiens. Des champottes. Voilà, allez, fini, t'es à 93% là. Comme ça, après, je peux lui mettre. Bon, il refout du bois dedans parce que je sais pas ce qu'il me fait, mais. Hop. Il est où, Lubomir? Allez, Lubomir! Pop, pop, pop! Dépêche-toi! Et tu peux exclure des mecs? Oui, tu peux en renvoyer. Bah écoute. Ah, il est en train de faire quelque chose là, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il est en train de faire un piège. Il doit finir les pièges, ouais. Bref, il nous en faut 3 pour Dobron. Et il nous faudra une. Il te reste une fourrure? Ah, bah j'ai la fourrure sur moi. Ah bah nickel, voilà. La fourrure et puis bah les 3 petits pièges qu'il va falloir qu'on aille... Je pense qu'il y a de quoi faire ce qui reste là. Non bah c'est cool. Allez, j'ai un piège, c'est bon. Et là il fait le deuxième et il a dû en mettre un troisième je pense dans le... Dans le coffre. Dans le coffre, parce que j'ai vu une notif tout à l'heure. Alors tu verras aussi de temps en temps s'ils ont plus de place, enfin ou même lui pour l'instant, s'ils ont plus de place dans les coffres, ils laissent les sacs par terre. D'accord. Et ça, voilà. Ça dépop? Alors ça dépopera à un moment donné, oui, tu vois. D'accord. Mais si on arrive à avoir les coffres nécessaires, les... Ah si, ça pourrit la viande. Ça pourrit? Bah en fait, quand elle est cuite, t'as encore une jauge après qui monte, donc ça doit brûler, je pense. Tiens, je te donne une pâte de lapin. Ouh, merci. Voilà, elle est là. Rassasiant. Ah ouais, c'est pas mal, hein.
À camp de cueillette, c'est fini. Nickel. Donc on va pouvoir le positionner. Par contre, j'ai plus de... Attends. Camp de cueillette. Le camp de cueillette. Alors, écoute, on va le foutre... On va le mettre là, le camp de cueillette. Est-ce que tu veux que j'aille donner les pièges et machin là? Bah oui, tu peux. Bah allez. Voilà, j'ai les... Ça va aller dans les quêtes. J'ai les trois pièges et la fourrure. Bon allez, go. D'accord. Et alors je veux pas être spoilé non plus, mais t'as des moyens de locomotion après, genre cheval et tout ça? Alors j'en ai pas encore vu. D'accord. J'en ai pas encore vu. C'est pour ça qu'il y a les fameux panneaux de téléportation, alors qui ne marcheront que pour nous. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos villageois, quand on devra partir en guerre, faudra qu'on fasse le chemin à pied. Ah d'accord, voilà. Ok. Parce que après tu dois piller, trouver des ressources, c'est ça, en faisant la guerre, enfin. Ouais, c'est ça. Bah, tu récupères après quand tes bonhommes meurent, tu les fouilles, tu récupères des ressources. Ouais. Dans les camps de bandits, tu as des coffres à récupérer. D'accord. Et ainsi de suite. Ok. Bien tout ça. Non, il est pas mal ça. Franchement. Ok, ça c'est bon. La bûche, il va la mettre. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Du bois. Ok, il te faut du bois. That's good, really impressive. Ok, plus 30 de renommée. Nice. I need some. You see, we have a problem with wolves, and someone has to take care of. Ah, lui, il veut qu'on chasse des loups, lui. Bah, tu lui as pas donné les trois pièges? Bah non, j'ai donné la fourrure, mais il me demande pas les pièges pour l'instant. De toute façon, on accepte ta quête, de toute façon. Parce que là, il m'a validé, je vois bien qu'il m'a validé le... Comment ça s'appelle? La fourrure? Oui, oui, bah moi aussi. Mais j'ai 0 sur 3 pièges, il me les a pas demandé. D'accord. Ah. Ah bah voilà. Ah bah si, c'est bon. Ah bah c'est bon, il nous a pris, oui, si, c'est bon. Ouais. Je fais des loups, ouais, pour l'instant. Ouais, on va faire ça, et puis... On va essayer de voir pour se fabriquer les... Comment ça s'appelle? Les arcs? Les arcs. Mais il nous faut les cordes. Mon inventaire est plein. Oui, ça va, ok, mon inventaire est plein. Alors les cordes, c'est peut-être avec les ateliers, non? Sûrement, oui. Mais peut-être pas assez encore évolué. Petite musique d'ambiance, là. Je peux pas récolter parce que c'est au village. Ok, il nous manque plus que les bûches. Alors pourquoi j'ai pas les bûches? Attends, je suis en train de me paumer, moi. Oui, je suis trop bête. Je suis en train de suivre le symbole sur c'est la carte. Bon c'est pas là, oui. Et quand tu connais ta zone de village, tu la connais, non? Non, je sais pas. Quand tu connais ta zone de village... Tu sais, ta zone de blueprint, enfin tu sais, ta zone où t'es sur ton secteur, tu vois ce que je veux dire? Ah, bah après tu... Oui, c'est comme tout jeu, au fur et à mesure tu connais... La petite... Je te dis comment... Ouais, mais je veux dire, t'as pas un halo qui définit ta zone? Ça, non. D'accord. Non. En fait, quand tu regardes la map, bon là déjà tu vois nos éléments qu'on a posés. Si tu mets en grand, bah pareil. Tu vois juste les éléments qu'on a posés. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Tu sais que c'est là qu'on est en dessous d'Erline. Des bûches, hein, je crois. J'ai trois bûches. J'ai bien l'impression qu'il te faut des bûches, moi. Merde, j'en ai plus. Ah bah je suis plein. Oh, j'ai vidé. Des... Attends, je vais en prendre. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le bureau de recherche du coup là? Qui nous a fait ça? Camp de bûcheron, un bas fourneau. Et l'arc, ouais, mais l'arc, il nous faut les cordes. Et nos roseaux. Ah oui, je crois que c'est avec les roseaux. D'accord. Alors les roseaux, faut qu'on aille les chercher. Donc au bord de l'eau, quoi. Ouais, mais pas par chez nous. Combien est-ce qu'il peut prendre de bûches? Il peut en prendre qu'une? Ok.